Bonjour, c'est TheJetFire80 en compagnie de Skyrox. Salut à tous. Bon, cette fois-ci nous sommes ici pour l'épisode 4 en compagnie de Skyrox et non tout seul. Donc là l'épisode je l'enchaîne assez vite à 2 jours d'intervalle. Mais il sera pas posté à mon avis avant le 3e jour. J'espère vraiment pouvoir le poster le plus vite possible pour que le gameplay vienne vraiment vite. Je veux vraiment pas perdre de temps. Comme j'ai dit la dernière fois, je veux m'y mettre le plus vite pour faire vraiment le plus de trucs. Objet trouvé. Qu'est-ce qu'il y a objet trouvé? T'as trouvé quoi? Mais il y a pas longtemps j'ai trouvé la bombe là, le lapin bombe. La chronobombe. Un chronobombe. Donc hop, pareil, on m'a... Ouh, une porte avec du feu derrière. On m'a répondu à ma question et on m'a demandé des vidéos de 20 minutes. Donc jusqu'au contraire, ben, je mettrai des vidéos de 20 minutes. Donc Lidl. Ah, cinématique comme on les aime. Notre bibliothèque était un piège. Un grand incendie prêt à se répandre. Toi, il y a une cinématique, évite de trop parler pendant... jusqu'à que je te le dise. Devenir hystérique lorsqu'elle se sent faible. Devenir hystérique en appuyant sur entrée. Alors Alice cause plus de dégâts et ne peut être blessée lorsqu'elle est hystérique. Si c'est pour tester l'hystérisme. Allez, je vais faire exprès de me faire taper pour voir ce que c'est être hystérique. Allez, tapez-moi, nom d'un chien. Hystérisme. Oh, pas mal. Oh, j'aime. C'est pas mal quand elle est hystérique, ça donne un truc sympa au jeu. Enfin, tu sais, comme une deuxième transformation. Mode rage, quoi. Ouais, voilà, mode rage. Dernier recours. Oh, hop, on avance. Go. Et si je me souviens bien, le mode hystérique, c'est que quand elle a presque plus de points de vie, c'est ça? Ouais, comme le mode rage. Passer en mode visé et appuyer sur T. Tirer sur l'interrupteur quand il est rouge et inactif. Il est actif lorsqu'il est vert. Donc alors, appuyer sur T pour passer en mode visé. Merde. Ok, j'ai compris le concept. Faut remplir la barre et tout pour que... Faut remplir l'horloge pour qu'elle devienne verte. Ouais. Ouh, ah. Du bruit. Non. Réveil, non. Cauchemar, non. Mauvais rêve. Bonne nuit. Chapelier, je vous ai laissé en mauvaise posture. Oui, hein, quoi? Mais pas à ce point. C'est toi. Qu'est-il arrivé à votre chapeau et à vos autres membres? Perdu, tu vois. Mais ne les regrettons pas. Regrettons plutôt leur perte. Pour ce qui arrive,
Tu dois mieux savoir que moi. Chacun sa place après tout et tout ira bien. Savez-vous au moins quelle est votre place? Et comment y rester? Maintenant, que se passe-t-il? Ah, voilà ce qui se passe. Tout autour, en haut, en bas, dans l'oreille, dans les yeux, et par les narines, par le grosier, jusque dans les boyaux. Mon père était passionné par les trains, ce qui n'est pas mon cas. Tu n'aimeras pas celui-là. Si seulement la tortue était toujours chargée de ses voix, ce n'est qu'un désastre sanglant. À la puanteur infecte, aux phares aveuglants, aux sons infernales. Ah, bien, j'y suis. N'en rajoutez pas. Train sauvage. Le monde est sur la tête, Alice. Les fous dirigent l'asile. Tu le sais. Et le plus dur, je n'ai plus de thé. Atroce. Si je vous aide, vous m'aiderez en retour? Croix de bois, croix de fer. Trouve mes membres et mets-les dans le trou. Les machines feront le reste. Suis ton chemin, va, gentille fille. Tu peux repartir par l'horloge. Ok. Déjà, on va gagner quelques chicots. Je l'ai trouvé le chapelier dans un sale état. Hein. Dis quoi. Il est démembré le con. Ouais, il est démembré le con. Il est devenu fou lui aussi. Il a. Il a pris. Il est dans une clavicule de force, mais bon, sans les mains. Il a sa tête qui part. Malheureux. Je crois qu'il te demande de retrouver les parties de son corps, non? Les morts. Ouais. Voilà, donc non, j'ai assez pour rien améliorer. Je croyais. Donc il y a deux directions. Deux directions, bah c'est parti. Chapelier toqué. Les interrupteurs ne fonctionnent quand sous le poids de la menace. Déposer une chronobombe sur un interrupteur pour en faire une alliée de poids. Ah ok, je vois ce qu'il veut dire. Elle explose automatiquement au bout d'un moment la chronobombe. Ouais. Il y a un temps. Je vois, je vois. Ah ça va, le temps il est quand même... Hop. Alors. Chargement. Le fou du thé baisse le regard lorsqu'il. Putain. Le glaive orpalin perd ses tranches. Oh, ouais, c'est pas des gros conseils qu'il y a. Oh, il y a l'air d'avoir style 3 donjons pour récupérer ses membres. 3-4 donjons. Ah, un parapluie. Mary Poppins. Mary Poppins. Appuyez sur E. Attendez. Appuyez sur E en étant concentré pour parer avec l'ombrelle d'Alice. Une parade pluie placée au bon moment peut renvoyer certaines attaques. Dernier souffle, nous vous le rendrons au centuple. Offrir sa peine est plus gratifiant que recevoir sa paye. Un travail idéal. Oh y'a une grosse saloperie. Dernier souffle, nous vous le rendrons au centuple. Oh. Offrir sa peine est plus gratifiant que recevoir sa paye. Oh, même l'ombrelle elle fait rien. Je crois qu'il faut que j'attende avec son ombrelle. C'est pas un gros monstre.
c'est pas un gros monstre qui jette des boules. Si. Bah faut Non, t'inquiète, j'ai compris le système. Wow. Ça m'a stock. Ah non. Dans la face. Quelqu'un. Oh. Oh, c'est un combat de choc. Le champ des titans. Il a failli avoir raison de moi, ce con. Bien eu peur. Hop, allez, en vert. Après, j'en ai pas une deuxième là de petite horloge. Ok, donc là ou là-bas. Le chauffage et pression ou le filtrage des arômes. Il me tente bien celui-là. Ah, je vois où tu es. Je dis rien, je veux regarder tout ce qui est suspense. Hop. Non, t'inquiète, je dis rien, mais je vois où tu es. Ouais, manège. Ouhou. Hi-ha! Hey, cowboy! Chauffage et pression. Ah, le chat? L'étendue de cette désolation n'est connue que de ceux qui en souffrent. Ok. Il venait donner juste son petit conseil à la con qui sert à rien. Ah ah. Il était chiant ce truc hein, c'est juste pour te faire perdre du temps, il est embêté. Et un vieux fou qui gueule. Oh taré. L'industrie vit de nos souffrances, avidité et lassitude, Alice. Voyez ce qu'elle a fait de ce quartier. Vous devriez vivre à la ferme, en Australie. Nous devrions céder ce qu'il reste de votre héritage. Bon. Ouais, en fait, c'est des mini donjons. Je sais pas pourquoi ce genre de passage, je le sens mal. Ça c'est le coup, tu poses une chronomonde, ça désactive les pièges. Ah ouais, le truc du chronomonde et tout qui te donne un temps pour faire le niveau.
non plus. Il me pose une colle. Voilà. Est-ce qu'il y aurait une logique et tout? Peut-être qu'elle peut s'accrocher au grillage. C'est pas possible de passer là. À moins que... Malin, malin. Malin le petit truc de... Le petit truc pour te piéger. Mais pas assez, mais pas assez. Bah, faut bien qu'ils mettent des trucs malins quand même. Oh non. En fait, faut vraiment réfléchir et utiliser vraiment toutes les options que vous offre le jeu. Ah, ça oui. C'est pour la bouteille. Glaive Varpalin. On a le temps d'améliorer toutes les armes à fond dans le jeu. Je vais essayer. Chronobombe. Ah non, c'est un truc normal qu'il faut mettre. Lapin, chronobombe. Chronobombe. Ça. C'est une Chico ça? Non, ça n'est pas une. Ok, j'ai compris. Go go. Là, il y a notre chapeau terre qui m'a entendu dire go go, il doit passer dans sa tête. Go go Power Rangers. À tous les coups. Vu comme il a... Ouh. Vu comme il a pas arrêté de... Rappelle-toi un coup, on avait dit go go intervention, il avait pas arrêté de le répéter pendant toute la journée après. Ah ah. Bien joué, bien joué. Lapin. Lapinou. Chico, non. J'aime bien le chapelier. Encore pire, il n'y a plus de thé. Pas pour rien, les gardes s'appellent les fous du thé. Il est vrai, il est vrai. Oh, j'ai échappé belle. À une seconde près. Travaillez juste. Jusqu'à votre dernier souffle. Nous vous le rendrons au centre. J'adore. Travaillez. Jusqu'à votre dernier souffle. Attendez de recevoir sa paye. Mangez ses mots. Buvez ses paroles. Un travail. Le chien. Finition, fatality. Non, tu peux le dire, le jeu est assez sanglant pour faire une finition. Bon, normalement c'est censé être fini, mais bon, on va dire que je vous offre un peu de bonus.
Caius bonus. Oblix Astérix pour ceux qui ont reconnu. Prends ça. Hop. Donc pour ceux qui aiment bien le chapeauteur, je lui demanderai si vous attendez son arrivée dans la série avec impatience, si vous trouvez qu'il donne de l'action. Je pourrais lui demander de revenir en tant qu'invité. Pas de merde. Non. Puis je sais pas quoi dire. Non, ma chronobombe elle a foiré. Oh mon dieu, ils ont tué la chronobombe. Espèce d'enfoiré. Espèce d'enfoiré. J'arrive pas à la faire lui, sa voix. Il a vraiment une voix bizarre. C'est carré, je crois. Non, c'est pas. Espèce d'enfoiré. Ouais. Moi je crois que c'est lui. Alors mec. Ouh là je sens le combat. Après ce combat on va couper. Donc hop. Vite. Non chien galeux. Oh. Vite finish. Vite. Non. Non, encore une théière. Ah, j'ai oublié ça avec la théière. Allez, allez. J'attends le pied ferme. Oh, pas aller. Putain, pop, tâche dans la gueule. Non. Ah là, je suis content, franchement, je suis content là, parce qu'on quitte vraiment sur un combat qui est bien fait. Donc voilà. Vous savez, je peux pas finir là sur une photo de famille. Vous savez quoi, on va quitter comme ça, hop. On va faire des petites mises en scène quand on quitte. Mais juste avant, je vous laisse le choix pour le prochain épisode. Soit j'attends un peu et j'améliore le glaive vorpalin, ou vous voulez voir ce que ça fait quand j'améliore le moulin à poivre. Donc nouvelle amélioration ou moulin à poivre. Moi je vous dis, c'est un choix très difficile, chers téléspectateurs, parce que ça va être dur. Hein. Ne leur donne pas ton avis, tu le donneras hors tournage. Bon. Ah, voilà, vous avez le choix. Écrivez-le dans les commentaires. Et donc voilà, donc si vous avez aimé l'épisode, mettez un like ou abonnez-vous, n'hésitez pas à en parler. Et c'était ce Jetfire 81 en compagnie de Skyrox. Et juste un petit message, abonnez-vous à sa chaîne et partagez ses vidéos avec nos amis. Merci, c'est sympa. Bon, à la prochaine. J'essaierai de sortir les autres le plus vite possible. Adios.